Et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour les natifs du Verseau pour ce mois de juin 2019. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Alors ce tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes du tarot des anges et il sera terminé par la synthèse avec le tarot de Marseille des 4 cartes du tarot des anges. On terminera ce tirage avec une carte de la fleur de vie qui est un magnifique oracle. Donc ça sera en fin de vidéo. Et puis je rappelle que ce taroscope angélique, il est généraliste, il peut ou non vous correspondre. Et pour avoir un complément d'information, vous pouvez toujours aller visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Alors mes chers Verseaux, j'ai pigé la force, une grande force intérieure, méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. L'empereur. Organisation et logique, structure et discipline, leadership. Le magicien. Vous êtes prêt, vous avez des ressources ou la capacité de les manifester, la vie est magique. Et nous terminons avec le monde. Regardez un petit peu les Verseaux. Bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. Alors on voit hein, avec la force que vous serez en mesure de faire face à la situation qui se présentera à vous. Mais elle vient aussi vous dire, avant de vous lancer tête baissée, de vous assurer. D'aborder la situation avec compassion, avec bonté et douceur, et non la force, le poing sur la table. Cette situation vous demande de faire usage vraiment d'un autre genre de force, celle de la bienveillance, c'est-à-dire la douceur de la vie spirituelle. Apprenez à croire en vous et attirez des leçons de vos expériences de vie. Tâchez de voir ces défis comme étant des occasions pour apprendre. Parce que ces défis, eh bien, vous apprenez. Et c'est comme ça que vous êtes dans la connaissance. Et aussi, c'est une occasion pour les transiter en positif. Appliquer vos connaissances et développer votre petite touche magique, les Verseaux. Cette force, eh bien, elle vous dit aussi d'avoir de la patience, d'avoir le pardon et d'avoir le courage de vos convictions. Et comme le mois de mai, comme le mois passé, à la même place, nous avons notre empereur. C'était exactement à la même place au mois de mai. Alors l'empereur, notre bel empereur. Faites preuve de logique, de sérieux pour certains de vos projets. Car ils sont vraiment valables et solides, mais ils ont juste besoin de lignes directrices et d'un peu d'organisation afin que cela se matérialise adéquatement. C'est un petit peu un fouillis, on va le dire comme ça.
C'est, il faut bien mettre les Legos, bien emboîter les Legos et tout va se mettre convenablement. Donc voilà, faites preuve aussi de bienveillance, hein, mais aussi d'autorité afin que tout cela puisse être mis sur pied, évidemment. Vous pouvez faire preuve de leadership dans votre vie professionnelle si vous en avez l'occasion et dans les projets auxquels vous vous consacrez et adopter cette approche, une approche structurée, une approche ordonnée. Lorsque vous passerez à l'étape de la planification, à celle de l'exécution, parce que quelle plus belle chose quand on passe à l'exécution d'un projet. Tâchez de vous sentir investi d'une espèce peut-être de mission, n'est-ce pas? Soyez convaincu de votre capacité de devenir un leader positif et diplomate, car peut-être vous en doutez à cause de ce manque de confiance en vous. Et pourtant, le magicien, regardez, le magicien, il dit que vous avez des projets, hein, mais que vous doutez de vous. Vous doutez d'être en mesure de les réaliser, de réaliser en fait tout simplement vos rêves. Il faut vous retirer cela de la tête, retirer ces doutes que vous avez. Ayez confiance en vous. Plus vous aurez confiance en vous et plus vous connaîtrez le succès et vous attirerez à vous ce que vous dégagez. Donc si vous dégagez du négatif, vous allez attirer à vous du négatif. Peut-être que vous vous dites que vous n'êtes pas encore prêt à vous engager sur cette voie-là, du moins, que vous avez choisie. Et pourtant, regardez, le magicien vous dit que vous êtes beaucoup plus près que vous n'osez le croire. En somme, vos expériences de vie vous ont préparé à ce moment charnière de votre vie. Alors ne soyez pas timide et menez des actions concertées qui se conforment à vos nouveaux projets pour lesquels vous vous êtes préparé depuis longtemps. Donc, ayez confiance en vous. Et on termine le mois avec le monde. Je pense que vous allez, pardon, que vous allez accomplir avec le monde un grand geste et qui aura beaucoup d'importance. Et vous serez fiers de vous, de ce que vous allez réaliser. Avec le monde, vous allez franchir une nouvelle étape en matière de développement, que ce soit développement spirituel et de compréhension de l'univers. Et cette prise de conscience vous permettra certainement de découvrir de nouvelles façons de ressentir, eh bien, tout simplement la joie, la gaieté, le bonheur, le rire. Et vous serez animé d'un immense sentiment de gratitude. En deux mots, atteinte d'une nouvelle étape, réception d'une récompense, peut-être la réception d'une maison, peut-être la réception d'un nouvel emploi. Peut-être une clarté complète sur une problématique. Un apprentissage à tirer pleinement parti de vos talents et une grande liberté. Et vous continuez sur votre lancée. Waouh, c'est un beau fin de tirage pour ce mois de juin, pour vous, les Verseaux. Et nous en venons
à la synthèse. Alors, je ne vois pas de loin, 11, 4, 1 et 21. Donc, ce qui nous fait 37. Que je réduis, 7 plus 3, 10, et nous avons la roue. La roue de fortune, qui est représentée par l'archange Michaël. Il est temps de vous renouveler, gardez le monde. Il est temps de vous renouveler, la roue tourne, un nouveau cycle s'amorce. La chance peut se présenter à tout moment. Des opportunités devront être saisies au vol, car méfiez-vous, elles ne reviendront peut-être pas. Hein. Donc il faut vraiment les saisir au vol. Cette arcane, elle vous invite à tourner une page, une situation suspendue pourra se débloquer si vous actionnez cette roue. Et surtout, n'ayez pas de regrets. L'évolution demande de laisser derrière vous des idées, des relations ou encore des situations, des émotions. Soyez comme cette belle arcane, la roue de fortune, qui est mobile et aventureuse. Prévoyez des déplacements et acceptez de dérouter votre entourage. Voilà, vous avez ici, avec le monde, il y a une nouvelle perspective qui s'annonce pour vous, et là on vous dit d'actionner cette roue parce que c'est bénéfique, avec le magicien qui vous dit oui, tout est possible. Vous avez la force qui est là, et vous avez l'empereur, vous êtes leadership avec la force, le magicien, le monde et la roue. Vous avez tout dans vos mains. Encore une fois, vous êtes acteur de votre vie et vous n'êtes pas figurant. Donc, soyez acteur. On termine avec la fleur de vie. J'ai pris cet oracle ce mois parce que moi, j'aime développer les certaines. Hein, je ne dis pas que j'ai beaucoup, beaucoup de qualités, mais des certaines qualités qui sont dans ma vie, par exemple, comme le courage, la créativité, le pardon, l'amour. Voilà, il faut développer ces qualités. Alors, on demande ici à la fleur de vie, eh bien, quelles qualités vous devez développer ce mois-ci. Je tirerai la carte du dessus. Allez, encore. Voilà. Expression et communication pacifique. Expression et communication pacifique. Pardon. Je ne sais pas quelle plante ni quelle fleur que ça représente. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Mais j'ai aucune idée. Je ne connais pas ni cette plante ni cette fleur. Donc, s'il y en a une ou un qui connaissent, mettez-moi en commentaire parce que ça m'intéresse, je suis intéressée par ça. Alors je vous lis, c'est grâce à ma communication attentive que je crée une zone de paix. Chacun de mes modes d'expression est porté par l'énergie d'une paix profonde. Donc expression et communication pacifique. Je suis très intriguée de cette fleur, de cette plante. Grâce à cette
fleur de vie, des rencontres positives se produiront à tous les niveaux dans votre vie. Et les mondes spirituels ont à présent renforcé votre communication pacifique ainsi que votre expression affectueuse. C'est pourquoi un portail s'est ouvert à travers lequel tous les bienfaits que vous offrez au monde vous reviennent aussi en retour. Selon le principe de la réverbération, vous pourrez alors retrouver toutes les prières et vos pensées chaleureuses pour votre plus grand bien. Tout ce qui vous entoure sera traversé par la résonance de la communication, de votre communication positive et pacifique. Chaque matière, y compris votre propre corps, connaîtra alors une profonde orientation pacifique sur un nouvel échelon supérieur. C'est dans votre passé déjà que vous avez tracé la voie de ce cadeau. Chacune de vos pensées, chaque action ainsi que chaque mot détermine cette expression qui est la vôtre. Orientée exclusivement vers la paix. Aussi bien tous les êtres lumineux des sphères célestes que toutes les créatures de la nature peuplée aspirent à entrer dans une communication plus approfondie avec vous. Le temps est venu de profiter encore plus intensément de l'énergie de vos prières, de vos affirmations et de toutes vos possibilités d'expression personnelle afin d'élargir l'ouverture des portes d'une communication pacifique à tous les niveaux. Oh, très beau message. Le défi, cette carte sera ton soutien lorsque les mots te manqueront, comme cela peut arriver quelquefois. Elle t'aidera également à libérer d'anciens blocages et de vieilles peurs, peu importe leur origine. Et indifféremment du nombre d'années qu'ils se persécutent, la carte te donne également le courage d'exprimer la vérité, mais aussi la certitude que tout ce que tu exprimes sera écouté. Tu as le droit d'affirmer partout et toujours ta vérité. La fleur de vie érige un espace protecteur autour de toi qui te permet de te sentir à l'aise lorsque tu exprimes pacifiquement ton intime perception. Très beau message de la fleur de vie. Nous terminons sur cette belle note. Merci de venir sur ma chaîne YouTube. Je remercie tous les abonnés avec toute ma gratitude. Merci de votre fidélité, merci de votre écoute. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Si vous avez aimé, likez, mettez un pouce, mettez vos commentaires. J'adore le dialogue. Et vous pouvez partager, si vous désirez, cette vidéo. Je vous souhaite à toutes et tous un excellent mois de juin 2019 dans la douceur. Dans l'amour inconditionnel, le respect, la bienveillance, le rire, la joie, la gaieté. On se retrouve pour un nouveau taroscope angélique le mois prochain.
Et d'ici là, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.